nous avais tout à l'heure parlé de ce contexte sociopolitique et politico-religieux, je dirais aussi. Et c'est quand même le chant grégorien a contribué à la construction d'une Union européenne avant l'heure, quelque part. Ça a contribué, évidemment, ça n'était pas que cela, mais c'est sûr que la liturgie, quand tous les hommes d'une région ont pris de la même façon, bien, il y a eu forcément une unité culturelle et sociale et qui va au-delà. Hein. On l'a vu après au Moyen-Âge, où c'était des régions entières où il y avait une unité profonde dans la foi, dans l'expression de la foi qu'est la liturgie. Et même dans les manuscrits, la version mélodique, mis à part quelques variantes, mais la diffusion a été assez homogène, la diffusion de ce répertoire. Oui, mais là, je l'ai souligné tout à l'heure, c'est qu'on a voulu transmettre à travers les siècles, à travers les lieux, à travers les espaces, hein, on a voulu transmettre la même mélodie. Et alors, même si on a des manuscrits qui ne sont pas primitifs, on a les manuscrits suffisamment anciens pour pouvoir remonter dans le temps jusqu'à l'origine. Donc, à la fois connaître le texte, ça, c'est pas ça qui pose plus de problèmes, mais ensuite connaître la mélodie, donc ça devient un peu plus difficile, et ensuite connaître le rythme, là c'est plus délicat encore, mais enfin c'est très beau parce qu'il n'y a pas il y a pas de mélodie sans qu'il y ait un rythme. Et alors le rythme nous a été caché pendant longtemps, les transcriptions des manuscrits étaient pas très bonnes, mais maintenant on peut, grâce au Pères-Cardines, remonter l'original rythmique qui avait probablement au 9e, 10e siècle. Avant, c'est un peu illusoire, mais enfin, n'empêche qu'on ne doit pas être très loin au niveau de la connaissance du rythme de ce qu'il y avait dans les départs. Je sais que vous êtes aussi un grand connaisseur de la rythmique grégorienne. Vous avez été invité au congrès tenu à Assise par l'Association internationale d'études des chants grégoriens, la ISGRE, fondée donc par les disciples d'André Jean Cardine. Et vous avez été invité à parler du rythme. Et bientôt, cet article va être publié dans Studi Gregoriani, donc la revue scientifique de notre section italienne. Je suis membre de la ISGRE, de la section hispanique. Vous avez parlé de Don Eugène Cardine, vous avez parlé du rythme, vous avez parlé des manuscrits. Je sais que, comme j'ai dit dans votre présentation, que vous faites perdurer, vous préservez la mémoire de Don Eugène Cardine à Solesmes. J'ai eu le plaisir, l'honneur de voir et toucher même Don Eugène Cardine, en tout cas tous ces documents, ces manuscrits, je dirais. Ces archives. Que vous avez préservé, vous, lorsque donc Eugène Cardine nous a quittés. Et c'est tout à votre honneur, je tiens à l'exprimer ici. Et même, nous avons eu, grâce à votre collaboration, la possibilité d'élaborer un CD et puis un DVD avec une partie de ce matériel personnel, photographie et enregistrement de Eugène Cardine. La ISGRE a élaboré en espagnol, en français et bientôt en italien un DVD avec tout ce matériel. Donc, je tiens à vous remercier. Pour tous les grégorianistes, au nom de cet hommage Justement, à Don Cardine. je pense à ce congrès d'Assises où j'ai parlé du rythme grégorien, ce n'était pas prévu, j'étais invité à la dernière seconde, et l'article ou la conférence a été faite comme ça à toute vitesse, mais je pense que j'espère que c'est la mise en synthèse de tout le travail du Père Cardine au niveau du rythme, où j'ai montré que le rythme était basé, le rythme grégorien était verbal, syllabique, différencié et modal. Bon, là, il faudrait expliquer ce que ça veut dire, et qu'il y a une notion de valeur, là aussi, il faudrait expliquer ce que c'est, mais qui fait l'unité rythmique du grégorien, l'homogénéité rythmique du chant grégorien, depuis les mélodies les plus simples des antiennes jusqu'au grand mélisme des offertoires ou bien des alléluia. Et alors, c'est sûr que tout le travail du Père Cardine a été fondateur et nous permet maintenant vraiment de connaître le grégorien, et non seulement de le connaître, mais de l'interpréter. Alors ça, peut-être que à cet endroit-là, le bât blesse, parce que les interprétations sont variées, mais en tout cas, l'idéal est connu, en tout cas cerné. S'il n'est pas connu, il est au moins cerné, on sait où on va. Alors qu'avant, on avait un chant grégorien. Donc on ne connaissait pratiquement pas le rythme, on savait quelques nuances, c'était tout, là. Et alors j'ai signalé dans une note de la conférence, là, c'est que
au 19e siècle, les compositeurs français, en particulier Fauré, Debussy, sont marqués par la modalité grégorienne, mais bon, très bien, c'est vrai, mais ils ne connaissent pas le rythme grégorien, ce qui est quand même monstrueux, d'une certaine façon, de connaître un chant, mais de ne connaître que sous un aspect modal et pas sous son aspect rythmique. Je pense à un endroit que vous connaissez fort bien, que vous avez la chance de fréquenter, l'atelier de palligraphie musicale. Là, je vois la plaque de marbre. Et sur cette plaque est gravé ces retours aux sources à nos pères, retours aux sources, retours à nos pères, ce qui animait la restauration du chant grégorien à l'abbaye, à votre avis, l'abbaye des Solèmes. Dans quelle mesure est la sémiologie grégorienne? Vous nous avez parlé des manuscrits, de l'étude des premières notations, des manuscrits les plus anciens, enfin de l'étude du signe. Ce qui nous reste au final de ce répertoire, enfin signe musical, neum, d'où neums aussi, neum. Dans quelle mesure Don Cardine nous donne la clé pour découvrir l'essence, en tout cas l'essence du chant grégorien? Alors, si on s'en tient au père Cardine, c'est qu'il a lancé le graduel critique en 1948, c'est-à-dire pour essayer de retrouver la mélodie primitive. Quand on a une mélodie, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a un texte, on a une mélodie et on a un rythme. Et alors, lui, le texte ne posait pas trop de problèmes. Et en posant les bases d'un graduel critique en 1948, il a posé les bases d'une restauration des mélodies en tant que mélodie. Et alors, ce travail-là a été développé, mais est allé assez loin, mais n'a pas abouti comme on aurait pu l'espérer. Mais c'est d'autres qui ont travaillé dans ce domaine et ont publié des livres. Alors, on peut contester ou qu'on peut approuver, mais enfin, d'autres ont poursuivi dans cette ligne-là. Et c'est ça qu'il faut, c'est une ligne qu'il faut suivre, même si ensuite il y a beaucoup de problèmes d'adaptation et de liturgique prudentielle pour savoir si c'est bien ou pas. Et alors, Don Cardine, par ce travail lancé en 1948, a ouvert une grande voie. Puis la seconde partie, c'était la rythmique. Mais je pense que c'est bon de revenir plus haut. Ces travaux de recherche du chant grégorien primitif, c'est Don Guéranger qui est le point de départ, donc le premier abbé de Solèmes, qui en 1856 nomme un moine qui s'appelle Don Josion, pour travailler sur le chant grégorien. Don Guéranger était jeune supérieur d'un monastère, il avait encore 50 ans seulement, et déjà en place depuis 25 ans, mais il manquait de livres, et donc il a voulu retrouver un petit peu ce qu'il y avait avant. À son époque, on pensait qu'il y avait un antiphonaire de Saint-Grégoire, et que peut-être on retrouverait dans les archives, et alors ça, certainement que ça a influencé tout le travail, et c'est de remonter un archétype. Cet archétype n'existe pas, et puis c'est pas le chant de Saint-Grégoire, c'est le chant de Saint-Croix-de-Gang, de Metz, mais la démarche était très bonne, quoi. Alors, elle a guidé certainement les travaux de postérieurs de Don Mocro pour trouver un modèle, et puis de créer un atelier de paléographie musicale, justement, pour revenir à l'original. Ça, c'est l'idée dont Guéranger qui est derrière. Alors maintenant, on a une vision un peu différente où on privilégie au contraire des variantes et des lieux, des particularités de tel ou tel manuscrit ou de telle tradition, mais c'est un point de vue qui est différent et qu'on peut contester, parce que si on voit toute la tradition depuis 1200 ans, c'était au contraire de garder l'unité plutôt que d'insister sur des particularismes qui ont été légitimes mais qui sont anciens. Vous parliez tout à l'heure, c'est le chant de l'Église, n'est-ce pas? Et moi, j'avais envie de vous dire « una voce canentes ». C'est le chant de l'Église du ciel, ça c'est sûr qu'il y a une seule liturgie. Alors, Madame Cécile Bruyère, qui était une abbesse de Sainte-Cécile, a rappelé qu'il n'y a qu'une seule liturgie. Quand on chante dans la liturgie aujourd'hui, on chante avec tous les saints du ciel et avec tous les anges du ciel. Et on chante avec à notre tête, si on peut dire, c'est le Christ.